Bonjour à toutes et à tous, c'est Raftouille. Comment allez-vous? Moi, ça va super. J'espère que vous aussi. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouvel épisode des Sims 4. Le numéro, je ne sais plus, car il y a un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous en faire un. Mais alors, je vais vous dire quelque chose, ça va être simple. Je recommence de zéro. Pourquoi? Alors, tout simplement, les amis, je recommence de zéro. C'est totalement personnel au jour d'aujourd'hui. J'ai pas envie de m'expliquer ou de m'étendre sur ce sujet. Mais tout simplement, suite à quelque chose de personnel, voilà, je recommence de zéro. Voilà, donc je pense que ça va en déplaire plus d'un. J'en suis vraiment sincèrement désolé. Je ne peux pas continuer avec la famille que j'avais. Voilà, tout simplement, j'ai envie de repartir de zéro. C'est une envie. Voilà, donc je suis vraiment sincèrement désolé de vous l'annoncer ça comme ça. C'est mieux ainsi, c'est pour que je puisse vous fournir aussi un meilleur gameplay parce que c'est vrai que on va dire que je n'ai pas le moral top top ces derniers temps. Donc ça me permettra pour moi de repartir sur de nouvelles bases, sur de nouvelles choses. Voilà, tout simplement. Donc je tiens encore une fois de plus à être sincèrement désolé de vous décevoir à ce point-là, mais c'est mieux ainsi. Voilà, donc je recommence de zéro avec le même personnage, bien sûr, un hein, Raftouille, on ne le change pas. Mais, il y aura un mais, c'est que on va repartir sur de bonnes bases. Voilà, donc j'espère que vous comprendrez ce geste-là, moi je le souhaite, hein, tout simplement. Donc, ceci dit, voilà quoi, les amis, on recommencera. Voilà, donc ce que je vais faire, les amis, on se retrouve tout de suite après la sélection de la maison. Ou alors on le fait ensemble. Non, je crois qu'on va faire plutôt ensemble, les amis. Ce sera plus simple et plus rapide. Hein? Voilà, donc, comme on recommence de zéro avec un autre personnage, je ne sais pas qui c'est, parce que je sais qu'il s'appelle Falji, mais j'ai envie de lui changer son pseudo. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on gardera. On va. Et en noir, je crois que c'est pas lui qui va me falloir. Donc, non, je ne vais pas prendre lui. Nous avons lui et lui. Lui qui était un peu déprimé aussi, dépité, on va dire, ce bonhomme. Alors, il a zéro téléchargement, donc vous voyez, c'est pas le top. Nous avons lui déjà actuellement, donc non, c'est pas la peine. On va prendre coin bon marché, non. On va pas acheter un terrain vide, les amis, parce qu'on nous avons que 20 000. Si on achète le terrain là à 2 000, on pourra pas construire plus que ça spécialement. Donc, j'ai plutôt envie de prendre la maison déjà toute prête. Donc, déjà, je vais sélectionner la ville. Qu'est-ce que c'est? Anderson? Il me semblait l'avoir viré. Expulser, non, emménager, non, d'accord. Je vais y venir à tout ça. Avant, je vais choisir la maison. Qui fait que ça va être le top. Donc, nous n'avons pas les moyens. Ah, à 107 000, quand même, si vous voyez bien un petit peu le truc, quand même, ça va faire beaucoup. 48 000, non, mais on n'a pas les moyens d'acheter une maison, les amis. L'amour, non, on ne veut pas être. Cabane de pierre et famille Falji. Ouais, non, mais là, non, en fait, fonds restant 18 000. Je vais pas l'acheter. Ouais, on va passer le terrain en bulldozer. Voilà, en fait, c'était tout simplement la maison que j'avais achetée au départ, que j'avais fait construire, du moins, excusez-moi. Et je n'ai pas pu, voilà, comme je l'ai dit, continuer, malheureusement, à la faire. Alors, celle-ci, j'avais bien tenté de la prendre, elle me plaît. Et si je la fais expulser? Expulser, oui. Et on l'achète non meublée. Il nous restera 6 000. J'ai envie d'acheter cette maison. C'est quoi? On va prendre celle-là. Et on va l'ajouter. On va ajouter un nouveau personnage. On va ajouter les personnages maintenant à notre truc. Comme ça, on aura tout d'avance. Et on sera tranquille. Donc celle-ci, qu'est-ce qu'elle a? Alors elle n'est pas ajoutée malheureusement. On va l'ajouter ici. À la cabane de pierre. Allez, hop. Après, ce ne sont plus nos problèmes. On va dire. Nous, on va contrôler. Dorénavant, celui-ci-là, les amis. Allez, maintenant on contrôlera Raftouille. Je sais pas si ce sera Raftouille ou Raphaël, je sais pas du tout, du tout, du tout. Je pense que vous en doutez, à Raftouille, ce qui veut dire Raphaël, c'est un abrégé, c'est, on va dire, remixé. Mais, voilà quoi, voilà. Je vais pas donner d'explication, je sais, j'en ai pas. Donc, ben, moi en tout cas, je suis content de recommencer, on va dire, en quelque sorte, ce jeu. Graphiquement, les amis, si vous voyez quelques défauts graphiquement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'ai eu un problème encore aussi graphique maintenant. Il s'est mis en format pas défaut et ce qui m'a totalement dérangé.
J'espère qu'il va pas se mettre trop à bugger, ce qui me ferait bien chier. Raftouille, ah non, donc on nous sommes bien sur le bon personnage. C'est top du top. Alors voilà, nos célèbres maisons, là, elle est belle, hein, franchement. En fait, cette maison, j'ai jamais compris qu'est-ce que c'était réellement. Qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord, on dirait un petit peu, je sais pas si vous, ce que vous en pensez, on dirait un peu un bungalow. Voilà, un bungalow camping, tout en longueur. Bon, vous me direz, ça va être sympa. Ouais. Bon, allez, hop, c'est parti. Donc, nous avons cette maison et il nous reste que 6000. Alors, ce qu'on va faire, on va l'équiper tout de suite. Au moins du strict minimum. Du strict, du strict, minimum. Voilà, donc on va faire. Ben, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein, à part les toilettes ici, une chambre ici, un salon. Ici, ça va être la toilette. La cuisine, qui va pas être grande. Cuisine dans le salon, quoi. Ça va. Pff, ouais, ça va pas le faire, quoi. Enfin, bref, on va s'attaquer à ça tout de suite et rapidement. Voilà. Donc ce que je vais faire moi les amis, la construction de la maison, je vais le faire en mode accéléré. Comme ça, vous n'aurez pas à refaire, à revoir tout en même temps en mode lent avec moi. Voilà, donc on va le faire en mode accéléré la construction. Donc je vous dis à tout de suite les amis. Allez, nous revoici les amis maintenant. Voilà, donc j'ai fini un petit peu la construction de la maison. Donc j'espère que ça vous aura plu. Car moi j'ai fait vraiment dans l'essentiel, on va dire le strict minimum. Comme vous pouvez le voir. Et donc, voilà, j'ai fait vraiment dans le strict minimum. Voilà, en quelques mots, je vais être clair. J'ai fait au plus simple parce que tout simplement, je n'avais pas non plus les fonds pour vous faire une maison de magnifique qui est belle, quoi. Et donc, je fais au plus simple. Donc, moi, je le trouve super, là, hyper fluide le jeu. Je sais pas si vous voyez la même chose. Je le trouve fluide, sympa et mieux qu'avant. C'est peut-être moi, mais moi, je le trouve mieux. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer par s'occuper de lui. Alors, bah déjà, il a besoin de rien. Bon, on va le mettre un petit peu à la cuisine. Comme ça, il va apprendre à cuisiner. Donc, nous avons que 3$. Mais, à savoir, les amis, qu'on a aussi une carrière à lui trouver pour qu'il puisse retravailler et ne pas faire le gros feignant comme son prédécesseur, Frangin, qui en foutait pas une. Donc, celui-ci, j'espère bien hein, qu'il va réussir un petit peu dans sa carrière professionnelle. Ce qui serait bien. Alors, je vais vous montrer un petit peu maintenant qu'est-ce que j'ai ajouté dans cette superbe maison magnifiquement magnifique, belle, qui me plaît beaucoup. Voilà, donc alors, je vous ai ajouté un bar. Voilà. Ici, un bar. Ici, un canapé, ce qui est logique. Une table avec une télé, on va dire à peu près écran plat, high technology, petite télé, mais bon, c'est du genre du cas. Une salle de bain. Hein, la salle de bain qui est là, avec la douche, l'évier. Et les toilettes, avec un petit miroir, une serviette, et voilà. Et le lit, qui est là, deux places, au cas où on a une conquête, avec tout simplement une armoire, on va dire, et une lumière qui fait que ça va éclairer. Donc, personnellement, moi, dans cette maison, actuellement, je me sens bien. Avec ce qu'on a fait, hein, le frigo, les plans de travail, voilà. Tout ça, ça va être sympa. Donc, il est déjà mercredi 4h45, changer de tenue, aller courir. Non,
n'a pas de travail, de se lancer dans une carrière. Alors, c'est tout facile, les amis, on va changer complètement aussi de carrière. Si vous vous souvenez, nous étions gourou des technologies. Cette fois-ci, j'ai envie de passer dans une autre carrière, mais typiquement différente de ce que j'avais. Donc, on ne passera pas agent secret, ça c'est clair, ni criminel, ni artiste. Gourou des technologies, non, parce que c'est pas. C'est vrai que ça paye, mais non. Donc, auteur, pourquoi pas auteur? Soyez payé pour exprimer vos idées et de belles tournures de phrases, des mots, de merveilleux mots. Branche professionnelle, branche écrivain et branche journaliste. Donc, ce qui va pas mal, on travaille le lundi, le mercredi et le vendredi et le dimanche. Voilà, donc on va prendre cette carrière. Désormais, assistant de l'auteur à cet endroit, les livres de Wairus, ils commencent vendredi à 11h. Donc, nous, ce qu'il va falloir qu'on fasse, les amis, maintenant, c'est que on n'a pas de... Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? S'entraîner à programmer pendant 10 heures? Ouais, non, mais c'est pas ça que je veux, en fait. Alors, s'entraîner à écrire pendant 3 heures. S'entraîner à écrire, d'accord. Bon, en fait, on n'a pas non plus de stylo, on n'a pas de bureau, on n'a rien du tout. Alors, écrire quoi et où? On ne sait pas. Tant pis, on va faire ce qu'on a pour le moment. Mais on va déjà aller se coucher parce que je pense qu'il est complètement HS, le pauvre bonhomme. Dormir. Allez, va faire dodo, mon coco. Voilà, allez, va. T'as sommeil. Ah, ça fonctionne, c'est bon. Voilà, allez, donc nous, on est parti pour un long et agréable sommeil. Donc j'espère en tout cas que ça vous fait plaisir de recommencer 2-0 aussi. Parce que ça fait un petit peu de renouveau. Hein, parce que actuellement, je n'ai pas de jeu plus que ça. À part Spin Tear, Road Truck. Happy Chef, que j'ai commencé, et je tiens à prendre un commentaire de Clément Beuclair, je crois qu'il s'appelle, excuse-moi si je me trompe. Donc, comme je disais, tu m'as proposé de faire Hotel Giant 2. Alors non, je ne ferai pas de Hotel Giant 2, pour une simple bonne raison qui ressemble beaucoup aux Sims aussi, il faut reconnaître. Donc j'ai compris, j'ai vu que c'était mieux qu'on reste sur les Sims et qu'on continue, qu'on essaye d'assembler Hotel Giant et les Sims en même temps, tout dans un seul jeu. Parce que c'est vrai que dans la dernière mise à jour, j'ai regardé, apparemment, maintenant, nous pouvons modifier nos terrains. Donc, ce qui va être vachement bien foutu. Donc, j'espère pouvoir le faire. On essaiera tout ça. C'est une petite question ajoutée à la mise à jour de ce jeu. Mais on fera comme ça, maintenant. Donc, on va prendre un bol de chips. Non. Non, 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 non. Non, nettoie-toi. Je mangeais bol de chips. Non, tu ne mangeras pas le bol de chips. Tu vas cuisiner... Ah, en fait, il avait commencé à cuisiner, ce gros malin. Et reprendre sandwich au fromage fondu. Voilà, donc tu vas cuisiner le sandwich au fromage fondu. Que tu avais commencé. Et tu vas me terminer, s'il te plaît. Oui, voilà. Bon, c'est sûr qu'en tant que cuisine, il n'a plus ce qu'il avait à l'époque. Hein. C'est pas vraiment le... Ah, mais il n'a pas de table. Oh, la honte. Oui, et puis c'est dégueulasse. Et... Bon bah écoute, c'est pas grave mon petit, tu vas manger ce qu'il y a. C'est toi quand même qui l'a préparé, donc tu te démerdes, tu le bouffes. proprement dit. Mais il arrive là, je comprends pas pourquoi il n'utilise pas celui-là. Là j'ai pas tout suivi. Bon, vous me direz. J'abandonne. Non, 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 non. Tu vas aller rencontrer une charmante petite demoiselle, tu vas sortir un petit peu de ton trou. Changer de tenue, aller courir, non. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas aller organiser des vêtements, dessiner, trouver un emploi, aller inviter à venir sur le terrain tueur, discuter, jouer, démissionner, acheter un service. C'était où est-ce qu'on allait? Allez, voilà, c'était ça. Allez, j'arrivais plus à me souvenir du tout. C'était quel truc qu'il fallait choisir pour pouvoir se déplacer. Maintenant, je m'en souviens, ça va bien. Donc, tant mieux. Comme ça, on va aller. Il est quelle heure dans le jeu? Je ne sais plus du tout l'heure qu'il est virtuellement. Alors, la famille Pienozza. Non, on va pas aller rendre service à la famille Pienozza. On va aller chez. Et si on allait voir Lulu, on allait draguer Lulu. Hein, elle a pas l'air vilaine. Moi, elle me plaît bien. Donc, on va aller draguer Lulu. Les amis, ça va être notre future femme. Bien sûr, certes, j'espère qu'elle va pas être trop difficile à choper. Maintenant, je prie le bon Dieu pour que ça fonctionne. Voilà, donc non, on va aller draguer Lulu et on verra bien ce que ça va donner. Voilà, allez. Désolé si je vous ai fait un petit bruit dans le micro, c'est normal parce que je le rebouge un petit peu.
Et si ce jeu se dépêchait un petit peu, ça serait sympa. Parce que là, je vous dis, les amis, franchement, c'est lent. Alors, ça, c'est une belle connerie qu'ils ont fait de mettre des chargements à chaque déplacement, parce que vraiment, c'est interminable. C'est l'une des plus belles des conneries qu'ils m'ont faites. Voilà, bonjour Lulu! On va te draguer, salut. Présentation amicale. En plus, je trouve qu'ils iront bien ensemble, regardez. Hein, elle n'est pas vilaine? C'était moi qui l'avais créé, lui. Donc c'est pour ça, mais je ne sais plus les caractères qu'elle a. Donc voilà quoi, c'est pas on va dire c'était fait exprès, non. Plus de choix. Demandez comment s'est passée la journée. Critiquer la maison, complimenter la maison. Commence pas ton bordel, mon petit Raph. Sois gentil avec Lulu, s'il te plaît. Discuter des coins de pêche locaux. Non, on va essayer de faire dans la méchante dans l'amour. Technique de drague, question risquée, draguer, demander si la personne ici. Ouais, demandez si elle est célibataire. Oh, regardez celle de derrière. Elle est excellente. Non, mais quoique, elle passe son chemin. Continue, continue, va-t'en. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Raftouille a appris que Marie était célibataire. C'est magnifique, les amis. On va pouvoir continuer. À la draguer. Donc, demandez comment s'est passé la journée. Discuter des centres d'intérêt. On va discuter des centres d'intérêt pour essayer de la prendre à la connaître plus. Cliquez pour agrandir. Joueur. Spectacle hilarant. D'accord. D'accord, spectacle hilarant. Ah. Non, c'est pas passé. Donc, compliment, critiquer la maison. Donc, à mon avis, elle est pas chaud, vraiment, pour apprendre à nous connaître plus. Mais bon, j'espère que ça va fonctionner. Ah, c'est chaud, choise. Ah, il est joueur. Ah, qui a la compétence charisme. D'accord. Ça, c'est bien. Faire les yeux ronds. Qu'est-ce que ça donne, les yeux ronds? Ah, ouais, d'accord. C'est vraiment des gros yeux ronds, quoi. Vraiment chelou. Et ça l'a fait pleurer de rire. Ah, ça, c'est bon, ça, les amis. On va pouvoir discuter des centres. Faire connaissance. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Non, mais sans connaissance, s'il te plaît. Pourquoi il n'a pas voulu? Que ce soit appris que avait les traits de caractère romantique. Ah. Elle est romantique, les amis. Alors, on va draguer en racontant une blague. Raconter, on va draguer en racontant une blague. Passe au passeport. Avale donc, avale donc. Par contre, je trouve qu'elle a une grosse bouche. Je pense que je l'ai foiré niveau gros, niveau bouche. Je l'ai un peu raté à ce niveau-là. Mais elle pense au grand boss, ça veut quand même pas nous taper dessus. Non, mais tape pas, mais tape pas. Conversation profonde, on va essayer d'en savoir plus sur son compte. Non, mais j'avais conversation profonde, les amis, si vous vous souvenez. Hein. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Ah, on est au centre de le rose. Elle est excellente celle-là quand même. Ah, je savais pas ce que ça faisait. Alors là, par contre, l'animation est vachement bien foutue. Et elle aime ça. Je comprendrai jamais ce jeu. Vraiment, jamais. Discuter de la propriété, discuter des centres d'intérêt. On a essayé tout à l'heure, les amis, vous avez vu, c'était pas passé. On va essayer de complimenter son apparence. Allez, vas-y, complimente son apparence. Oui. Ça prend. Happy prep. Franchement, je ne comprendrai jamais leur langage d'onomatopée. Mais donner une bonne baffe. On tente ou pas, les amis? Allez, tentons, on s'en fout. C'est quoi? Tentons tout. Si ça passe, ça passe pas. C'est pas grave. Si ça passe, tant mieux. Brrr. Ah ouais, magnifique. Et elle le prend bien. Je vous jure, les amis, c'est la femme de notre personnage. Là, il faut qu'on se donne à fond. Il faut que toi, Raftouille, tu la dragues et tu l'as dans ta poche. Alors là, cette fois-ci, tu ne. Enfin, les hurons, avouer son attirance. Non, 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 non. Ah. Avouer son attirance. On va essayer d'avouer son attirance. Je sais pas comment elle va le prendre. Elle s'en fout apparemment. Ah si, ça prend. Non, si. Elle a l'air d'avoir apprécié ce que je lui dis. On va la draguer. Allez, drague, drague, drague. Ouais, ça marche bien. Donc, elle a l'air assez facile. On va dire sous le sens plan drague. Elle a l'air assez facile à draguer. Donc ça va être
plus simple pour poser un rancard, poser une question risquée, complémenter l'apparence, avouer son attirance. On va essayer d'avouer notre attirance pour une fois de plus. Et on va essayer de se baser. Ah non, ça n'a pas pris. Masse, désolé, aïe. Surtout ça se met à propos du spectacle, d'accord. Embarrassé. Ok, qu'est-ce qu'il veut? Appeler quelqu'un au téléphone. Non, ça va plus. Donc on va s'excuser, si on peut, bien sûr. Se rattraper, snobber, technique de drague, draguer. Se rattraper. Comme ça, on va essayer de rattraper le coup qu'on a foiré. Après notre petite erreur de jeu. Rencontre accommodante. Rencontre accommodante. Ah, ça n'a pas passé. Oh là 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 là, on fait que des boulettes. Raconter une blague autour des dénigrantes. S'excuser. On va s'excuser. Voilà, c'est la réponse à laquelle je voulais. On s'excuse pour que ça passe. Et elle veut nous excuser, nous reprendre. Non? Si? Oui? Oui, les amis, c'est bon, c'est parfait. Donc, on va lui faire maintenant. On va lui dire au revoir. Et on va pas essayer de faire plus. Se rattraper, draguer, complémenter l'apparence. Non, ne joue pas le malin, toi, Raph. Invité à raconter plus de choix. Non. C'est plein de raconter un go. Non, ça se met à propos de la nouvelle série. On va essayer de voir ça. Devenir confiant. Est-ce que ça fait partie, ça, ce que j'ai fait? Oui, ça en fait partie, c'est parfait. Donc on gagne des points en plus, donc ça c'est bon, ouais, super. Donc faire une imitation, se plaindre du cas, il y a plus de choix, drôle, amical. On va faire amical, dire au revoir. Voilà, quelle heure il est dans notre jeu? Il est 19h22, donc en plus on travaille demain, donc il va falloir mieux qu'on rentre à la maison. Allez, mon petit Raph, rentre chez toi. Donc bah j'espère les amis qu'en tout cas cette nouvelle on va dire cette remise à zéro vous plaira. Car moi je suis content de vous la faire comme d'hab. Donc ce qu'on va faire nous tout de suite les amis, on va rentrer et on va se laisser là pour cet épisode d'aujourd'hui. Bien sûr ça continuera sur la lancée du précédent, hein, faut pas vous inquiéter, mais sur un nouveau concept. Donc on va se baser plus maintenant sur sa vie professionnelle et de couple. Comme ça, on aura à peu près un peu plus que dans le précédent. On s'était basé un peu plus. On avait fait un peu trop n'importe quoi. J'avais fait trop d'enfants à l'avance. J'étais un peu perdu. Je ne savais plus ce qu'il faut trop fallait faire parce que j'en avais tellement. Donc c'est vrai que maintenant, on y arrivera mieux à gérer comme ça. Hein. On fera des fêtes, on fera plein de choses. On essaiera d'être un peu plus ouvert. Voilà. Donc, surtout qu'en tout cas, on a une superbe maison avec de belles choses. Voilà. Donc, en tout cas, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez et surtout, n'hésitez surtout pas à me suivre. Ouais, je vais y arriver. À me suivre sur ma page Facebook, donc au nom des gameplays de Raftoui, Twitter et YouTube, voilà, tout simplement. Donc, moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!